Stepanov. Cédric Gil à la barre fixe. Gymnaste qui nous arrive d'Aulnay-sous-Bois. En accent final, INSEP, vous aurez reconnu sous la barre la présence de Laurent Barbier. Mais oui, il est là, Laurent. Grand spécialiste du saut de cheval, deuxième des championnats du monde. 85, et malheureusement pour l'entraîneur, eh bien son gymnaste le, non pas le déçoit, mais le surprend. Voilà, sur un lâcher assez simple. Franchissement de barre avec demi-tour. Voilà. Tout comme nous l'avons vu tout à l'heure pour Ludivine Fournon, vous voyez, le bourrelet n'est pas engagé sur la barre et ne peut pas la saisir correctement. Il suffit de peu de choses et c'est comme ça. Voilà, et comme Laurent Barbieri a beaucoup de métiers, il n'est même pas intervenu à la réception parce qu'il savait que c'était une chute, disons, de manque de saisie, donc il n'allait pas avoir des retombées, j'allais dire, il n'y a pas de prise de risque sur ces lâchers. Il n'était pas à la parade. Attention, tour dorsal. Voilà, là il se met à côté du gymnaste, Laurent. Laurent passe. Et déjà, il prépare sa sortie. Ouais. L'arrière tendu avec une double vrille. Bon, voilà un mouvement relativement simple qui, en dehors de la sortie, qui a été parfaitement exécuté. Cédric Gil. Exceptionnel. Non, ben on le reverra plus tard, Cédric Gil. Vous voyez, la sortie, par contre, est parfaite.